Coucou les amis, c'est Suélène Graine de Magie. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'avril concernant les signes de la Vierge, mais aussi les ascendants, les signes lunaires, etc. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Je reste disponible pour des consultations en privé, par visioconférence ou par téléphone. Vous avez les liens pour me contacter en barre d'infos sous la vidéo avec mon adresse mail ou via les réseaux sociaux. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit. Je vous amène avec moi pour le tirage du mois d'avril concernant les Vierges. Alors, les effets spéciaux, vous avez l'habitude. Waouh ! Je suis désolée. Allez, c'est parti, j'arrête de dire des bêtises. On est donc pour les signes de la Vierge. Allons voir un petit peu ce qui va se passer sur ce mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, effectivement, vous voyez cette carte du miroir magnétique, elle nous parle vraiment du consultant. Donc, elle va vraiment nous parler des personnes de la Vierge, des consultants qui consultent pour ce signe ou les ascendants. On nous parle dans une première carte de séparation. Peut-être c'est une séparation avec un manque d'ancrage. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte de l'enfant, alors... plusieurs cas de figure, éventuellement on pourrait penser à un divorce qui se met en place puisqu'on a les accusations et il y a une séparation avec les enfants, peut-être une décision de justice qui est prise par rapport aux enfants. Ici, ça me parlerait plus d'une séparation par rapport à son passé, à une certaine immaturité qu'il va falloir laisser de côté suite à des accusations pour pouvoir enfin évoluer et aller de l'avant. Ici, vraiment, cette séparation... avec cet enfant, c'est une séparation que l'on doit faire pour aller de l'avant. Une séparation avec son enfant intérieur qui est peut-être un petit peu trop immature et qu'on emmène vers plus de sagesse. Vous voyez bien sur cette carte ici, on nous montre l'évolution d'un enfant pour aller vers cet état de vieillesse, donc d'acquérir cette sagesse en évoluant dans sa vie. Pour moi ici, il s'agirait plus de ça que cela veut nous parler au mois d'avril. Ne nous séparer de ce côté un peu immature pour enfin évoluer vers une sagesse qui est plus sereine. Se séparer de quelque chose, d'un schéma ancien, de quelque chose qui revient sans arrêt, quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire, et notamment de l'ordre de l'immaturité. Il est temps d'apprendre, de comprendre des choses de notre passé parce que ici on a les accusations. On nous accuse peut-être d'être un petit peu trop léger, d'être un petit peu trop enfantin, immature. En tout cas, il y a vraiment des accusations. Soit on vous accuse, soit vous accusez quelqu'un par rapport à votre passé. Vous accusez votre passé de vous avoir fait devenir comme ça, mais il est peut-être temps de prendre conscience aussi que cette situation est seulement due à votre propre fait et non aux autres. Parce qu'ici, on parle bien du consultant. Les accusations qui sont menées et le retour, le boomerang qui revient du passé, ce n'est pas le passé, ce n'est que vous qui avez provoqué cette situation. Hein. On va aller voir avec le 77, on nous parle de chance, de coup de chance de la vie, de sérénité et ici... de sagesse. Hein. Donc vraiment, ici, on voit la chance, en tout cas, la chance providentielle d'avancer vers quelque chose de plus serein, quelque chose qui nous emmène à plus de sagesse, en vieillissant, en prenant une sorte de maturité ici. Vraiment, on vous demande d'accepter cette opportunité de la vie, de vous séparer d'un schéma qui ne vous convient plus, d'un schéma qui vous amène vers plus de sagesse et qui laisse derrière vous cet enfant un peu insouciant, cette situation qui ne vous permet plus d'être vous-même et qui se doit d'évoluer, qui se doit d'avancer vers cette belle évolution, vers cette sagesse. Ici, on vous demande de laisser ce passé derrière vous, de ne plus renvoyer ce boomerang. On vous accuse d'être un peu trop comme ça. On vous accuse de vous cacher derrière ce côté enfantin et c'est quelque chose qu'on vous reproche depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose, en fait, vous envoyez le boomerang et à chaque fois, il vous revient dessus parce qu'il y a ce côté un peu d'immaturité qui revient sans cesse. On va aller voir les énergies d'amour. Alors, la première carte, vous avez la clé, hein, effectivement, l'équilibre et les nuages. Et on a le déménagement,
l'attraction et la jeune femme superficielle. Ici, on vous parle très certainement de devoir retrouver un équilibre. Vous avez la clé, vous avez la solution pour retrouver cet équilibre, car il y a des nuages actuellement. Les nuages ne font que passer. Effectivement, peut-être vous êtes dans une relation où on vous demande de bouger, où il faut que les choses avancent, que les choses bougent, mais vous êtes tellement pris par cette immaturité que vous ne pouvez pas trouver encore cette clé. Ici, deux fois, on a cette notion de clé, avec la carte du déménagement et ici. Peut-être qu'il va falloir trouver la clé pour pouvoir retrouver votre équilibre face à l'alchimie, face à l'attraction que vous ressentez. Parce que pour le moment, on vous sent comme une personne un petit peu superficielle, un petit peu sûre d'elle, qui ne voit pas les choses avec maturité. Vraiment, encore une fois, le tirage, il nous parle de ça. C'est quelque chose, c'est que vous êtes peut-être une personne, ou en tout cas, vous avez dans votre vie une personne qui ne va pas au fond des choses. Et vous avez peur de l'engagement, ça crée des nuages, des perturbations dans votre vie sentimentale. Soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vous, mais ici vraiment je pencherais plus à dire que c'est vous qui n'êtes pas assez mature, qui êtes un peu superficielle, qui ne voulez pas trop que les choses bougent et qu'elles avancent, mais il va falloir vraiment trouver cet équilibre pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'ici tout ce qu'on vous présage pour le moment ce sont des nuages. Les nuages, si vous voulez les chasser, il va falloir faire preuve de maturité et faire avancer, faire bouger les choses parce qu'il y a de l'attirance avec la personne que vous fréquentez ou que vous allez rencontrer. Il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle, mais quelque chose qui n'est pas assez fort parce que cette personne va vite se rendre compte de ce côté superficiel, de ce côté un petit peu enfantin et qui ne voit pas les choses dans une réalité telle qu'elle est. On va aller voir un petit peu le conseil de la lune. Et on vous parle de l'amour de soi. Il est temps, peut-être, on parlait beaucoup de soi, de quitter ce côté enfantin pour aller vers une maturité. Avec l'amour de soi, il est temps peut-être aussi de vous aimer tel que vous êtes, d'aimer la vie que vous avez, d'oser aimer cette vie, d'oser vous exprimer, d'enfin vous aimer vous-même avant de pouvoir construire quelque chose. C'est une chance providentielle qui s'offre à vous de enfin pour ce mois, enfin une chance providentielle pour vous en ce mois d'avril de vous reconnecter avec vous-même, avec vos envies, avec votre sagesse intérieure. Ici, vous êtes protégé. Il y a une sorte de retrouver un équilibre, une stabilité, quelque chose de peut-être qui vous angoissait de le chasser. En tout cas, on est plus serein, on est plus dans le bien-être. On vous demande sur ce mois d'avril vraiment de faire preuve d'évolution, de sagesse, d'aller de l'avant et en tout cas d'apprendre à vous aimer, de vraiment faire preuve d'ouverture, d'aller de l'avant. Donc voilà mes chers amis de la Vierge, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, qu'il va vous amener à trouver des solutions pour aller vers cette belle évolution qui vous attend et à trouver les clés de votre destinée pour avoir cet équilibre qui enfin demande juste à être présent pour chasser ces nuages. Je vous souhaite un bon mois d'avril, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner mes chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.